On a été libéré le mardi, que le banc des corps et puis nous, tout ça, ont été libérés que le lundi suivant. On a été libéré de très tôt, je crois que c'est le 18, quelque chose comme ça, par les Polonais. Et ils sont venus déposer juste près de la maison, dans le petit bois là, qui est derrière la maison où on habitait. Ils sont venus déposer une cantine de façon à ce que les Allemands... Alors, un jour, on était un jour polonais. La nuit, on était allemand. Ah d'accord. Hein? Ah ben oui, ça durait pendant 8 jours. Tous les jours, toutes les nuits, il y avait un Allemand qui était là, qui descendait un peu dans la tranchée. Il était là en armes, lui. Il ne nous a jamais rien dit, on ne s'occupait pas de lui, il était là avec nous. Le dimanche soir, il est parti. On l'a pas vu. Ah ben non.
Je sais qu'il y a des Polonais qui sont passés, qui sont rentrés chez moi, chez nous. Ils l'Inri, je ne sais pas de qui est venu avant. Et ils ont fait, je crois qu'ils ont dû déjà se tromper. Ils ne devaient pas passer par chez nous. Ils ont dû faire trop ça. Et c'est pour ça que l'aviation, on les a mitraillés. On va en parler très précisément. Où oui. vous étiez, où vous habitiez. Oui, ben le parce que... Là. J'ai fait à peu près le... Ah, oh, c'est gentil, ça. J'ai fait un peu le... Un peu le plan. Un peu le plan de la maison. Là, c'était le... C'était la maison. Ici, il y avait un bâtiment. Un bâtiment où il y avait les étables, il y avait la cave. Ici, c'était le pressoir, il y avait un garage. Ici, le poulailler, il y avait un autre bâtiment ici. Et puis, on arrivait là, le chemin montait. Et là, il n'y avait pas de maison. Là. Il y avait juste une maison en ruine. Et là, c'était monsieur et madame Couturier qui habitaient. On a couché cette nuit-là dans une tranchée parce qu'il faisait sauter tous les obus qu'il y avait sur Saint-Gervais, les munitions qui étaient sur la route de la Cambre. De la Cambre, oui. Et il faisait sauter tout ça. Et puis le soir, bon, ça peut tarder, ça peut, parce que ça dure longtemps pour exploser les balles. Et puis le lendemain matin, qu'est-ce qu'on voit? Un officier ou je ne sais pas quoi. Américain ou polonais, il s'amène, il dit, ou visite, il dit château, il dit, ben oui, on y fait voir. C'était un catholique parce qu'il avait plein de. Il a dit, bon ben je vais aller voir. Il était occupé le château tout seul. Oh. On est compte, il y en a qui n'ont pas peur de mourir.